dizaines et dizaines de livres et des centaines d'articles, archi connu, hyper connu, et qui a un point de vue très particulier. Alors c'est quoi ce point de vue très particulier? On peut le résumer tout simplement en ces deux mots, science sacrée. Scientia sacra, en latin. Alors, que dit Seyfo Sennasser? Seyfo Sennasser dit, et là vous avez une citation de lui, la science moderne est une anomalie humaine. Ça veut dire quoi c'est une anomalie humaine? Parce qu'il dit, c'est la première fois de l'histoire du monde que la science s'est déconnectée de Dieu. J'avais dit tout à l'heure, c'est la méthodologie naturaliste. C'est, on ne fait plus de science dans le cadre de Dieu, dans un cadre théiste. C'est de la science de manière complètement séparée de tout ce qui est religieux. Il dit, ça, c'est grave. Il dit, c'est grave. C'est une anomalie et c'est grave. Et il va encore plus loin. Il dit, non seulement c'est grave, mais c'est faux. Et cette phase de l'humanité qui dure maintenant depuis 3-4 siècles, il dit, ne vous inquiétez pas trop, c'est une phase qui va se détruire et on va revenir tôt ou tard à une science sacrée, une science où Dieu, les anges, le savoir, l'esprit, la spiritualité, etc., tout est intégré. Ça, c'est la philosophie de Seyfo Sennasser. C'est une philosophie radicale qui rejette essentiellement la science moderne et qui dit que la science moderne est non seulement erronée, mais elle est invivable, c'est-à-dire elle ne peut pas durer et c'est comme quelqu'un qui fait une petite crise, voilà. Une petite crise et puis bon, on va traiter cette crise et ça va passer. Il insiste que la science de la civilisation islamique considère la nature comme sacrée. Il dit la nature même est sacrée dans notre conception. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, ça c'est sa philosophie, comme je dis, c'est probablement le plus grand philosophe le plus connu, au moins aujourd'hui. Il dit la nature même est sacrée. Quand on parle du cosmos, quand on parle de l'eau, quand on parle de la terre, nous sommes en train de parler de concepts sacrés, il dit, selon lui, dans la civilisation, dans la culture musulmane. Le cosmos est un domaine unifié d'être matériel et spirituel. Il dit, la science qu'on devrait construire, cette science sacrée, elle devrait intégrer, comme j'ai dit, aussi bien les étoiles et les planètes que les anges et les démons. Tout devrait être dans une considération unifiée. Ce que, évidemment, la science moderne rejette complètement et dit au contraire. Nous ne devons pas faire ça. Enfin, il va encore plus loin. Il dit l'accès à l'information peut se faire par la raison, mais aussi par l'intuition individuelle, la mystique. Les exercices de mysticisme, lui, je n'ai pas dit, mais c'est connu et vous saurez. Que Seyfo Sennasser est un mystique pur et dur. C'est un soufi, un grand maître du soufisme. De la tariqa Mariamia, pour être plus précis. Mais bon, il rejette les objectifs de la science moderne, c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure de reproductibilité, d'objectivité, etc. Il passe plus d'importance dans les idéaux de sens, de but, de beauté, d'harmonie. Je m'en fiche, moi, si vos mesures ou vos expériences vous donnent des résultats précis. Ce n'est pas ça qui va faire que le résultat est important ou véridique. Ce qui est important ou véridique, c'est que votre résultat ou votre mesure ou votre théorie ou votre calcul donne de la beauté, donne du sens, donne de l'harmonie. L'islamisation de la connaissance ou de la science, Farouki, Al-Attas, Al-Alwani, qui ont dit... Écoutez, c'est pas que la science moderne est à rejeter, c'est pas qu'elle est fausse, c'est pas qu'elle est complètement erronée, comme disait Nassar il y a un moment, il faut la reconstruire complètement sur des bases sacrées. Ils disent non, c'est pas ça, c'est qu'il faut la prendre et l'islamiser. L'islamiser pour l'intégrer dans la vision du monde de l'islam, et donc la remettre en selle, c'est-à-dire la réhabiller, quoi. C'est-à-dire que, bon, les résultats ne sont pas forcément faux, mais la façon dont on les comprend, la façon dont on les présente, etc., il faut toujours représenter tout ça dans un cadre islamique et dans une conception islamique. Il faut une reformulation de tout le patrimoine de la connaissance humaine sur des bases islamiques. Voilà, ça c'est en une phrase le résumé du programme de Farouki et
Al-Attas, bon, il y a toute une dispute en tout cas, est-ce que c'était Farouk ou Al-Attas qui a vraiment commencé cette idée ou pas, ça c'est pas ça le problème, et l'Al-Wani qui a pris le flambeau de Farouk et a continué après cela. Maintenant, ça c'est pour ce qui est, si vous avez vu dans le premier point là, c'est reformulation du patrimoine de la connaissance humaine. Puisque là on ne parle pas de science, il parle de la connaissance. Mais en 1987, une conférence a été organisée sur l'islamisation des attitudes et des pratiques en sciences et technologie. Donc maintenant on parle d'islamisation de la science et de la technologie. En fait, plus que ça, Al-Wani lui-même, dans le discours d'ouverture de cette conférence-là, en 87, dit « Les sciences naturelles et appliquées sont certainement incluses dans le programme d'islamisation. » Ne me dites pas, parce que les gens ont dit « Non, 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 mais nous on parle de... On parle des sciences humaines, c'est la sociologie doit être islamisée. Il y a de la sociologie marxiste, il y a de la sociologie, je ne sais pas. Mais nous, on veut une sociologie musulmane, on veut une anthropologie islamique. Et on veut de la psychologie islamique. Parce que la psychologie, évidemment, ça dépend de la façon de penser, la façon dont a été éduquée une personne, etc. Donc, évidemment qu'il doit y avoir une psychologie islamique. Mais après, c'est d'aller encore plus loin. Bon, mais déjà, tout ça, ça a été débattu. Hein. Tout ça, ça a été débattu. Le fait que, est-ce qu'il pourrait y avoir une sociologie islamique, une psychologie islamique, tout ça, ça a été débattu. Mais, jusque-là, c'est que, bon, tant qu'on est dans les sciences soft et pas tout à fait exactes, etc., bon, il y a à discuter. Mais quand c'est passé aux sciences et technologies, les gens ont posé la question, bien, non, mais attendez, on va aussi islamiser la technologie. On va islamiser les droits, on va islamiser la physique quantique. On va islamiser quoi, la chimie d'Avogadro. Je ne comprends pas comment on va islamiser. L'Al-Wani a répondu, les sciences naturelles appliquées sont certainement incluses dans le programme d'islamisation. Il dit, va plus loin, il dit, la division des sciences entre sociales et naturelles est arbitraire et utile. Il dit en fait, quand il y a, c'est juste, c'est comme ça qu'on a décidé que ça c'est de la sociologie, ça c'est de la physique, ça c'est de la chimie. En fait, c'est tout savoir est ensemble et c'est très difficile de distinguer ce de les couper comme ça. Et ça, c'est arbitraire, c'est important. Donc, en fait, bon, tout est là-dedans et tout est là islamisé dans notre programme. Je voudrais noter tout simplement que cette idée d'islamisation de la science et de la technologie a été proposée comme idée de conférence parmi le cycle, il y a assez d'Algériens, je suppose, dans la salle, qui savent que durant les années 60, 70, 80, jusqu'à pratiquement 1990, il y a eu une série de colloques, de congrès, de conférences de la pensée islamique en Algérie. Chaque année, pendant 2 semaines, les plus grands penseurs de l'islam du part du monde venaient débattre d'un sujet, à chaque fois ils prenaient un sujet. Et les partisans de ce programme d'islamisation ont proposé aux Algériens de consacrer un de ces colloques à cette idée d'islamisation de la science et de la technologie, et cette idée a été rejetée. Donc, que l'islamisation de la science et de la technologie était à l'évidence très controversé. Sardar, qui vit à Londres, qui continue d'écrire et est très actif, trouve qu'il y a un double problème dans la science moderne. Il dit, premièrement, la science moderne est tellement sans âme, que elle n'est pas au service de l'homme. C'est dans les fondements même de la science. C'est comment on construit cette science qui fait que la science moderne est, en fin de compte, erronée. Et deuxièmement, que cette science moderne, de la façon dont elle a été pratiquée, sans éthique, il insiste beaucoup sur cette idée d'éthique des scientifiques, ce manque d'éthique des scientifiques, dans des exemples, évidemment, certains des exemples qui sont connus, qui ne sont pas forcément de la science. Moi, j'ai débattu avec lui, j'ai écrit plusieurs pages sur ça, j'ai débattu avec lui, et j'ai dit, non mais tu confonds la science et l'application de la science. Donc, c'est pas parce qu'on a fait des désastres écologiques, c'est pas parce qu'on a balancé des bombes nucléaires, et c'est pas parce qu'on a déversé du CO2 en quantité astronomique et qu'on a fait un grand trou dans nos zones que la science est mauvaise, que la science est fausse. Il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame. Et puis après, lui, il va encore plus loin. Il dit, ah oui, mais que pensez-vous des cas où, dans les laboratoires de biologie, on fait de la dissection en vivo? C'est-à-dire alors que l'animal est encore en vie, on le dissecte pour essayer d'apprendre, etc. Mais même ça, c'est de la pratique, c'est pas la science elle-même qui est forcément comme ça, c'est la pratique des scientifiques. On pourrait déclarer tous ensemble qu'il est interdit de faire la dissection en vivo. Basta.
et c'est pas la science qui va être complètement cassée, c'est pas fondamental dans la science. C'est pas automatiquement un résultat de la science que de faire de la dissection en vivo. Enfin, donc, pour lui, le problème c'est que la science moderne a été bâtie sans âme et sans connexion avec l'homme. Un. Et deux, la manifestation de cette science supposément neutre, et ces manifestations sont tellement mauvaises qu'il va falloir reconstruire la science sur des bases islamiques. Alors, c'est quoi ces bases islamiques? C'est pour ça qu'il appelle ça science islamique. Les principes islamiques qui peuvent aider à redéfinir la science moderne pour toute l'humanité. Quand je dis principe islamique, je ne veux pas dire que seulement pour nous, musulmans, nous allons avoir des principes islamiques pour la science moderne. Ces principes qui sont islamiques sont valables et devraient être généralisés au monde entier. La science moderne du monde entier devrait prendre en compte ou intégrer ces principes islamiques qui recadrent un petit peu la façon dont on fait de la science. Il y a le tawhid, donc cette unité, unicité divine, la khilafa, il ne faut pas oublier que nous sommes ici comme tuteur ou comme vice-gérant sur terre, le savoir et l'adoration, l'ilm ou l'ibada, la justice, l'adl, l'intérêt public, le maslaha, etc. Il cite un certain nombre, il les explicite évidemment, il explique pourquoi, comment, toutes ces idées, vous voyez bien que tout est relié à la fin à Dieu et à l'homme. Et donc la science ne doit jamais perdre tout cela de vue. À l'autre bout du spectre, vous voyez, il y a tout un spectre. Il y en a qui veulent rejeter complètement, il y en a qui veulent l'islamiser, il y en a qui veulent simplement la recadrer, et il y en a qui disent, écoutez, il n'y a pas de problème, rien à signaler, il n'y a rien à voir, c'est tout. Ça, c'est Abdus Salam. Abdus Salam qui, il faut se rappeler, a reçu le prix Nobel de physique en 1979, le premier musulman à recevoir un prix Nobel dans les sciences. Un musulman pieux et rationnel ou rationaliste. Pieux, je le sais parce que je l'ai rencontré, je suis assis avec lui comme ça des heures, je sais que c'est un homme pieux. Je sais que c'est un homme, par les écrits et par la philosophie qu'il a développée et présentée, c'est un homme qui est tout à fait rationnel et rationaliste. Donc dans sa tête et dans son existence, il avait réussi à intégrer tout cela. Il faut lire, entre parenthèses, si vous voulez un petit texte rapide, lisez le speech qu'il a donné lors de son acceptation du prix Nobel. C'est quelques pages lumineux. Il commence par citer le Coran. Vous imaginez un musulman qui reçoit le prix Nobel de physique et qui se pointe à Stockholm devant tout le monde et qui leur lit des versets du Coran et qui leur explique quelle est sa philosophie de la connaissance et de la science. C'est quelqu'un qui avait réussi à faire une espèce d'équilibre dans sa tête, mais il était absolument clair. Il disait, la science est universelle. Seules ses applications sont affectées par les facteurs culturels. Ce qu'on applique ici, ou ce qu'on accepte là-bas, ou autre, ça c'est autre chose, mais ce qu'on développe comme science. Rappelez-vous encore une fois, science, ça veut dire savoir avéré, c'est-à-dire quelque chose, un résultat qui a été établi universellement par beaucoup d'autres, qui est devenu objectif. Il dit, donc ça c'est universel, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas d'autres, et il ne croit pas donc qu'il y a vraiment des problèmes intrinsèques à la science et fondamentaux qui nécessiteraient une reformulation de la science moderne complètement. Il dit, donc ça je les ai cités même en anglais, son texte même en anglais est très simple, there is no quote Islamic science, parce que là il répondait à tous les précédents, y compris Sayyid Nasr, y compris Sardar et même Farouki qui voulait islamiser la science pour qu'elle devienne science islamisée. Il dit, there is no Islamic science, just like there is no Chinese, Indian, Hindu or Jewish science. La science n'est ni juive, ni hindoue, ni chrétienne, ni athée, ni quoi que ce soit, et elle n'est pas musulmane ou islamique de ce fait. Évidemment, il a été étiqueté de conformiste, de moderniste, d'universaliste, de business as usual. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que vous attendez évidemment, ce type-là est formé en Occident, a vécu la plupart de sa vie en Angleterre et il a reçu toute la gloire en Occident et il ne va pas dire des choses contraires. Et évidemment, c'est quelqu'un qui a été formaté occidental, donc c'est un moderniste occidentaliste. Évidemment, c'est trop facile. Certains d'entre vous certainement connaissent, c'est ce qu'on appelle l'attaque personnelle, comment on appelle ça,
Ad hominem, merci. C'est l'ad hominem, c'est quand on n'arrive pas à attaquer l'argument, on attaque la personne. C'est une fausse critique. C'est, ah oui, bien sûr, tu as vécu en Occident. Alors, en quoi ça vous intéresse que j'ai vécu en Occident ou j'ai vécu ailleurs? Abdussalam était marié à une Anglaise. Oui, alors? Et alors? En quoi ça change quelque chose? Traitez-moi de l'argument. Montrez-moi où son argument est faussé. Mais bon, ça fait partie des pratiques. Alors, ensuite, une autre idée qui est devenue de plus en plus populaire, c'est cette idée de Ijaz ilmi. Alors, je suis sûr que vous connaissez tous, vous connaissez assez en détail. J'ai aussi un chapitre entier sur cela dans le bouquin. La miraculosité scientifique du Coran, c'est-à-dire qu'il y a dans les versets coraniques, il y a selon cette théorie, il y a des versets coraniques à teneur scientifique moderne, c'est-à-dire qui véhiculent du savoir, des résultats, de la connaissance scientifique qui non seulement ne pouvait pas être connue il y a 1400 ans, mais qui n'a été découverte qu'il y a quelques années, quelques décennies. C'est ça, le Jazmeh. Et ça, c'est extraordinaire comment ça a explosé en un siècle. Bon, j'ai expliqué dans le livre comment ça a commencé. Hein. Ça n'a pas commencé avec Maurice Bucaille, comme on le dit souvent. En fait, Maurice Bucaille est pratiquement pas hijaziste. Il faudra lire le livre pour comprendre où se situe Maurice Bucaille exactement. Les gens pensent que Maurice Bucaille a été le déclencheur de toute cette vague. Parce qu'il a dit que le Coran ne contient pas d'erreurs scientifiques, contrairement à la Bible, etc., etc. Mais quand on lit exactement ses arguments et qu'est-ce qu'il dit exactement, il est très très rare, il y a peut-être un cas ou un petit cas en passant où il semble dire qu'il y a des choses dans le Coran qui ne pouvaient pas être soulignées. Mais généralement parlant, Bucaille, c'est pas pour le moment, je l'ai jamais rencontré, Bucaille disait qu'il n'y a pas d'erreur scientifique dans le Coran. Il y a une différence, il n'y a pas d'erreur scientifique et il y a des vérités scientifiques découvertes seulement récemment. Bon, maintenant, alors cette Ijaz ilmi, je l'ai décrit dans le livre comme étant une boule de neige qui a grandi et qui en roulant, a accumulé beaucoup de détritus, c'est devenu tellement sale et tellement... C'est comme une petite boule de neige qui au début est une idée pas trop mauvaise, pas assez bonne, et puis après on la laisse rouler par terre et elle commence à accumuler tellement de trucs, et à la fin c'est un truc affreux. Et ce Ijaz ilmi est devenu un truc affreux, parce qu'il véhicule une méconnaissance totale de la science. Il y a des affirmations qui sont absolument incroyables, qui se disent et qui sont présentées comme étant des triomphes de l'islam et du Coran, ce qui est extraordinairement dangereux. Parce que quiconque connaît un petit peu de science va dire ça et dire « Ah, c'est ça ce que dit votre Coran ?»« Votre Coran, il est nul !» Astaghfirullah. Ça ne peut pas être. Mais quand on présente des idées comme étant de la science véritable, et qu'on les compare ou qu'on les lit à des versets coraniques et qu'on dit regardez, bien évidemment, si ça c'est faux, bien ça c'est faux. Et si ça c'est complètement erroné, bien, si on met une égalité, un signe égal entre les deux, bien évidemment ça va être faux. Non seulement donc il y a une incompréhension, une très grande incompréhension de la science, des résultats de la science, etc. J'en ai cité des exemples innombrables dans le livre. Mais il y a aussi une incompréhension totale du texte religieux, du texte sacré lui-même. Parce que si on commence à penser, imaginez, là je vous donne juste quelques exemples. Si vous imaginez, si des gens, là il y a des pages, que la vitesse de la lumière est donnée par des versets coraniques, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense que le Coran est venu là pour nous apprendre la vitesse de la lumière d'une certaine manière un peu biscornue. Mais ça change complètement notre philosophie du Coran, notre compréhension du Coran. Si on a un texte sacré
dont l'un des objectifs est de nous donner la valeur de la vitesse de la lumière. Mais c'est quoi ce texte? Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? S'il véhicule cette quantité, mais c'est à deux chiffres qu'à la virgule, c'est-à-dire à 299 358,35, un truc comme ça. C'est abasourdissant. Ça, par exemple, l'âge de l'univers et de la Terre, donné avec une précision ahurissante, tiré par des versets coraniques que l'on manipule comme des équations. Et on multiplie ça, on divise par là, on multiplie par là, et divise par 3, par 6, c'est par 8. Regardez. Regardez. Résultat exact. Il correspond à, aux connaissances d'aujourd'hui. Oui, 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 je sais, j'ai cité ça aussi. Mais à un taux ou à une importance, un millionième. Ces idées, elles existent aussi dans le judaïsme, elles existent même dans le hindouisme, elles existent un peu chez les chrétiens, mais d'une manière tellement obscure que si vous prenez un juif X de quelque part du monde, ou un chrétien ici en France ou quelque part, vous dites, mais vous savez qu'il y a des gens qui trouvent, je ne sais pas quelle valeur dans la Bible, ils disent, ah bon, j'avais entendu ça. Mais si vous prenez un musulman quelque part et vous dites, mais vous savez que les gens ont trouvé, je ne sais pas, la cellule, etc. dans le Coran, oui, bien sûr, dans le Coran, il y a plein de trucs comme ça. Ah oui, il y a beaucoup de science. Bien sûr, le Coran, il contient tout. C'est ça la réaction des musulmans, parce que pour eux, ils ont tellement entendu ces choses-là. Ils ne passent pas un jour ou à la télévision, sur une chaîne ou une autre, il n'y a pas une émission sur les Hijaz. Il y a des conférences, il y a une conférence qui va se faire à Qatar dans deux semaines, on regardait ce matin. Et c'est la 11e conférence mondiale sur l'Hijaz dans le Coran et dans la Sunna aussi. Et sans parler des conférences régionales et locales et nationales, etc. Regardez tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on a cité. Le monde subatomique, le code génétique, la théorie de grande unification. Vous vous rendez compte? Oui. Que même les physiciens n'ont pas encore formulé. Hein, on n'a pas encore de théorie acceptée de grande unification, je parle encore physicien. Le téléphone, le fax libère, la radio, la télé, le laser, les pulsars, les trous noirs, et j'ai des références exactes pour chacun de ceux-là. Je ne dis pas comme ça, oui, il y a des gens qui ont. Non, je vous donne la référence exacte pour chacun de ceux-là, où vous allez trouver que les gens ont trouvé ça dans le Coran, et parfois, la plupart du temps, c'est dans le Coran et parfois dans la Sunna aussi. Bon. Comment considérer le Coran et la science moderne? On a passé en revue tout ce qui est faux, tout ce qui est erroné, tout ce qui ne vous ai montré où est le problème, et je vous ai montré quelles ont été les propositions. Une approche cohérente et raisonnable pour harmoniser la science moderne et l'islam, et celle d'aller ouais, à mon avis. Qu'est-ce qu'a dit Averroès à l'époque? Parce que Averroès voulait concilier la raison, la philosophie rationaliste grecque et hellénique, avec la charia, la jurisprudence, le corpus islamique, tout simplement. Donc, comment concilier, enfin, pour résumer, raison et foi, c'est-à-dire rationalité, tout ce qui est méthodique, déductif, rappelez-vous, c'est de la philosophie, donc c'est déductif, et ce qui est croyance, il n'y a pas de preuve dans la croyance, comment tu vas me prouver? Preuve, une croyance, il y a des arguments, je peux te dire que voilà, je crois en Dieu parce que voilà, telle et telle idée qui me semble en harmonie avec ma pensée, il n'y a pas de preuve. Donc, entre les preuves et la méthode déductive rigoureuse de la philosophie rationaliste grecque aristotélicienne, et entre la croyance, comment on va faire? Et vous savez très bien qu'il y a eu un débat pendant des décennies et des siècles. Razali, qui a répondu à Al-Farabi, et à Ibn Sina, et à Al-Kindi, et Rushd est venu après pour répondre, etc. Bon, toute cette discussion-là, c'est pas ça ce qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez une référence simple, c'est pas tout ce Tahafut al-Falasifa et Tahafut al-Tahafut, etc., etc. C'est Fasl al-Maqal. C'est Fasl al-Maqal, qui est un petit livret absolument limpide de Ibn Rushd, quelques dizaines de pages. Je vous conseille l'édition de poche bilingue
français, arabe, avec commentaire et une longue introduction de Alain de Libera, qui est le plus grand spécialiste de Ibn Rushd en France et probablement en Europe. Alors, dans Fasl al-Maqal, le discours décisif, dans le discours décisif de Ibn Rushd, il dit « Le texte coranique permet plusieurs lectures. » En fait, l'approche du Coran elle-même est diverse. Il dit « Dieu, sachant très bien qu'il est en train de parler à des humains de niveaux intellectuels divers, utilise et dit bien qu'il y a plusieurs manières de discourir avec les gens. Alors, il y a des gens avec qui c'est la rhétorique qui marche. Ça, c'est les grands discours des prêches. Et pour d'autres, c'est la dialectique qui marche. Voilà, je vais te dire quelque chose, tu me réponds, on répond, je réponds. Et dans la discussion, etc.